Et Québec a beau mettre de l'avant différents moyens pour multiplier les constructions au Québec, comme l'accélération de la certification des travailleurs dans le milieu de la construction, tant et aussi longtemps que les villes au Québec continueront de mettre les bâtons dans les roues pour les promoteurs immobiliers, il y a plusieurs projets qui seront laissés malheureusement en suspens pendant plusieurs années. C'est du moins ce que croit Mélanie Letarte, directrice générale de gestion Benoît Dumoulin Inc., qui a écrit une lettre « Faites la différence » ce matin dans le Journal de Montréal. Bon après-midi à vous, Mme Letarte. Bonjour, merci à vous aussi. Alors, pour vous, le problème, dans le fond, ce sont les villes qui ont le mandat, dans le fond, de donner le feu vert aux projets de construction, qui prennent trop de temps ou qui découragent, dissuadent les promoteurs immobiliers. On a beaucoup de détermination, en fait, des promoteurs immobiliers. Donc, on n'est pas dissuadé encore, on n'est pas rendu à cette étape. Mm-hmm. Par contre, avec tout ce qu'on rencontre, les délais, on entend la situation, la crise du logement, on a des solutions pour ça, mais il y a tellement d'étapes à franchir, de comités, de commentaires, de retours à la table à dessin qui empêchent, en fait, le bon déroulement d'un projet, la mise en place, le démarrage de projet. En raison de tous les obstacles rencontrés dans le monde municipal, c'est là où sont les plus grandes difficultés actuellement là, dans notre réalité, sur le terrain. On entend beaucoup de mesures, comme vous le mentionniez. Il y a des solutions qui sont proposées. Par contre, on est restreint quand on arrive à la réalité sur le terrain d'un lancement de projet. Êtes-vous en mesure de nous donner des exemples du temps que ça peut prendre entre le jour 1 et le moment où on commence à creuser et qu'on puisse finalement livrer l'immeuble à condo ou à logement? J'aimerais vous en mentionner, mais il y en a plusieurs. En fait, ça varie selon plusieurs facteurs. Ça peut aller, on a des projets qui sont sur la tablette depuis 4 ans, 5 ans. Il y en a un en particulier qui est là depuis plus longtemps que ça encore. Assurément, là, c'est toujours plus d'un an d'attente, de projet, de processus. On dépose jour 1, on fait une acquisition, on fait des études, on dépose la totalité des documents, puis on attend longtemps avant d'avoir des retours, là, malheureusement. Bon, vous me parlez d'un projet qui est sur la tablette depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de la ville? Il y a toujours un obstacle. Il y a un comité de citoyens qui n'est pas d'accord avec tel élément. Est-ce que vous pouvez le revoir? Il y a le conseil municipal qui va changer en cours de route. Vous comprenez qu'un projet de 4 ou 5 ans, il y a eu des élections entre-temps. Il y avait une position d'un conseil. Le conseil a changé. La vision a changé. On doit retourner à la table à dessin malgré tous nos investissements, tous les plans qui ont été faits. Ils doivent être revus et on recommence le travail à zéro. Bon, je comprends que... Oui, vous vouliez ajouter... Non, en fait, je disais, c'est ce qui crée souvent des délais. On a traversé ça dans les dernières années, malheureusement. Il y a une montée de jeunes élus, mais il y a moins d'expérience. Ils ont des bonnes idées, mais pour arriver à les concrétiser, il faut quand même prendre en considération la réalité de l'immobilier et des besoins. Et votre territoire, si je comprends bien, c'est la Rive-Nord, c'est ça? Tout à fait. La rive nord-ouest de Montréal, donc on est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on a Saint-Joseph-du-Lac, Deux-Montagnes, on va jusqu'à Mascouche. Qui connaît une très forte croissance démographique. Qu'est-ce que ça prendrait pour accélérer les projets, selon vous? Ça prendrait un courage politique, c'est-à-dire qu'on comprend que la politique, c'est délicat, qu'il faut prendre en considération aussi là, les citoyens, mais justement, ce qu'on souhaite, en fait, c'est de pouvoir offrir un produit à ces citoyens-là, aux gens qui veulent s'établir, aux gens qui veulent accéder aux propriétés. Alors, ça prendrait une simple meilleure collaboration, en fait, des élus municipaux qui prennent en compte les réalités de tout ce qu'ils nous demandent, ce que ça crée comme délai, la pression sur les coûts également, ce qui va se retrouver comme facture à la fin pour les acheteurs. Quand vous avez entendu la semaine dernière le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, traiter les maires d'incompétents justement parce que les projets n'allaient pas de l'avant assez rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Je ne veux pas traiter les maires et mairesses avec qui on travaille d'incompétents. Je comprends qu'ils ont des contraintes. Ils ont beaucoup de considérations. La personne qui est en avant, ce n'est pas nécessairement elle qui prend toutes les décisions. Il y a un conseil, il y a des élus. Je souhaiterais seulement qu'ils puissent aller se chercher plus de ressources, comme je vous expliquais. Il y a une jeune montée, en fait, mais je voudrais qu'ils puissent aller chercher de l'expérience, des conseils, parce qu'il y a beau la gestion d'une ville, mais il y a aussi la réalité de la construction, en fait. Comment on peut faciliter les discussions entre les parties. Vous en avez combien à peu près des projets en attente?
Je vous dirais qu'on a des milliers de propriétés qu'on pourrait être en mesure de réaliser. Je vous dirais que demain matin, si on avait des autorisations, on pourrait faire déjà 1 000 portes, ce qui est un nombre important. Et ça, c'est uniquement sur notre petite rive nord, là. Alors, j'imagine pas le nombre, mais des projets, on en a des dizaines, je vous dirais des milliers d'habitations qu'on pourrait réaliser, en trouvant des solutions. Mélanie Letarte, qui est avec nous, directrice générale de gestion Benoît Dumoulin Inc., merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous, bonne Merci, journée. au revoir.